بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا متعنا بمحبتك وقربنا منك أيما قرب حتى نكون في حضرتك. اللهم زدنا من الانتصارات يا ربنا يا رب الأرض والسماوات. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. الآن maintenant je vous cite quelques versets du chapitre la discussion Al-Mujadala. Le verset 14. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يردي المدرسي يسوس حبيتر لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Vraiment, allez rapidement, parce que vous êtes maintenant habitués aux lois divines concernant les musulmans et les non-musulmans. Dieu attire l'attention de Mohammed Kolap, Allah soit soumise dans le verset 14 de ce chapitre. Alam Tara, tu n'as pas observé, tu n'as pas, ton attention n'a pas été attirée par ces gens-là, qui sont des coalisés, des Irakiens, au gouvernement, les Syriens, dans leur œuvre sanguinaire, ils sont des gens pour vous, sont des valets, des gens humiliés, des gens qui sont vraiment dans l'errance la plus totale, ils ne sont pas musulmans. Les chiites, en général, ce sont des faux musulmans, ce sont des sanguinaires, qui sont des gens pleins de haine pour les vrais musulmans. Ils sont des gens qui cherchent que les vengeances non justifiées, donc illicites, et ils sont pleins de rancœur. Voilà ce que vous avez comme coalisé. Vous, les Américains et les salauds de Russes, les salauds européens, vous avez les mauvais, les plus bas de l'échelle des coalisés. Donc vous êtes mal barré, mal parti. Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allah alayhim ma hum minkum wa la minhum wa yabqa les musulmans. C'est vrai, mais les musulmans ne tuent pas n'importe comment et ils ne sont pas en inimitié avec les musulmans, plein d'animosité contre les musulmans. Elle aime travailler dans la vie, mais tu vois là où comme. Donc vous voyez qu'on vous aide de bien ouvrir vos yeux pour ne pas être vraiment les derniers dans la farce. D'après votre atmosphère masse médiatique, vous êtes maintenant préparé à une grande victoire. C'est pas vrai. Elle aime travailler parce que vous avez sur le terrain les plus mauvais guerriers. Parce qu'ils sont contre le vrai islam. Et ils vendent des enseignes de l'islam. Faouj Kada, Group Kada,
جروب الجنة، جروب خيبة، ماس وصو السلوم كرو نو اوكون رلاسيون افيك لي ارابيليتي دي شوز. نو نو كونيسون لور هيستوار مالسان، اون هيستوار بلان دو كومبلو بير بلان دو كوربسيون بلان دو كومون ديريج دو فيرسمون دو سون الفيزيون دو سون. Les chiites, la majorité, sont les plus, comment dirais-je, habiles à faire cette effusion de sang. Ils ne veulent que le sang, que le sang. Ils sont assoiffés de sang. Voilà ce que vous avez comme coalition. Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allah alayhim ma hum minkum. Et ce salaud de premier ministre irakien, il dit, il va gagner. Mais ce salaud-là, un criminel de mauvais augure, il est sous la férule de son précédent, qui est un salaud parmi les grands salauds. C'est un fraudeur, c'est un menteur, et c'est un voleur. Et maintenant, il supervise tout ce qui se trame en Irak. Et vous pouvez croire que ce qui se trame, ce n'est pas pour votre cause, ni dans votre intérêt, ou vos intérêts. Alam tara, ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wa la minhum wa yahlifuna al-kalim. C'est leur habitude. Ils jurent qu'ils sont véridiques, alors qu'ils savent bien qu'ils sont des mondes. C'est-à-dire qu'ils sont en connaissance de quoi. Donc, ils sont de mauvaise foi. Vous voyez comment le Coran décrit vos soi-disant aides ou compagnons ou serviteurs, les sales serviteurs, les sales valets. Notre Saddam, que la paix d'Allah soit sur lui, et notre Abu Ammar, que la paix d'Allah soit sur lui, ils sont tout à fait le contraire. Ils ont arrêté cette fonction subalterne de suiveur aveugle de vos leaders et ont su combattre le mal que vous incarnez, et ils vont causer beaucoup d'embourbement, et maintenant, jusqu'à maintenant, vous payez chèrement cette guerre-là très sale. Elle n'a jamais été propre, elle n'a jamais été chirurgicale. Dites-nous, comment elle est propre et chirurgicale lorsque vous frappez n'importe comment avec vos drones, avec vos sales groupes qui sévissent dans cette terre-là, et qui paye maintenant les pots cassés? Ce sont les innocents. Ce sont les gens comme ça, normaux, entre guillemets. Mais ils méritent cet état-là de douleur et d'effroi, etc. Parce qu'ils ont, été en dehors de ce que a préparé Sabia pour vous affronter, et ils ont été comme les salauds dans le gouvernement actuel de la Palestine, pseudo-Palestine, pas mal de la Palestine. Elle sera Palestine lorsqu'on va la purifier. Et vous savez comment on va la purifier? C'est Dieu seul qui connaît la manière de la purification. Abu Ammar a été frappé d'une façon lâche pour préparer le terrain à ce mauvais leadership palestinien. Il n'a jamais su ce que ça veut dire l'islam comme il veut. Il est mégalomane, il est pire que ça, parce qu'il croit que c'est lui qui va affranchir les Palestiniens. C'est pas vrai. Vous êtes soumis aux sionistes, les pires sionistes. Et vous voulez gagner une guerre contre le sionisme. Elle ne peut être gagnée que par le biais de la voie des vies.
Et les sunnites eux-mêmes savent bien que leur fin sera de cette manière-là. C'est-à-dire, ils savent bien qu'ils sont pleins d'animosité contre Dieu. Ils sont des gens rancuniers contre les musulmans. Et ce groupe-là ne peut pas persister pour l'autre. Donc leur fin, elle est tout proche. أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Je vais vous dire des petits morceaux de la vérité, parce qu'on n'a pas le temps. Je vous aide à comprendre un peu ce que ça dit le Coran. أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً صدوا عن سبيل الله. نحن أعاد الله لهم عذاب شديد. Dieu leur a préparé un sévère châtiment. Et non, c'est un mécanisme parce qu'ils ont mal agi. Et d'une façon effroyable. اتخذوا أيمانهم. Maintenant, on arrive au verset 16. اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله. Qu'est-ce qu'ils ont fait par leur serment, faux serment? C'est pour être en confiance avec nous, pour que nous les comment dire, prendre au sérieux, qui sont des gens qui veulent la paix. Oh, c'est pas vrai. Nous savons bien, et très clairement, vous n'êtes pas des gens de paix. Vous manipulez les slogans de paix pour nous attraper et nous frapper et nous exterminer. Ça, on le connaît bien. C'est de votre part une nature de sioniste. Arabe sioniste, américain sioniste, vous êtes toujours dans la même corbeille et dans le même panier. Mais un seul panier qui vous guide vers la défaite et vers les maux de la guerre. Donc ils sont en dehors du chantier du chemin du chemin lumineux d'Allah. Donc leur flot, leur rétribution sera une douleur, une union lumineuse très humiliante. Et tout ce qu'ils ont comme richesse, qui les amasse aux dépens de tous les peuples et à travers les siècles, ils ne sont pas jusqu'à maintenant satisfaits. Ces salauds de sionistes, ils veulent toujours accaparer les richesses, ils veulent toujours les thésauriser pour leur mauvais dessein, pour leur complot, etc. Ni leurs armes, pas uniquement leur progéniture. Parce qu'il y a une culture spirituelle, c'est-à-dire les salauds arabes, les salauds musulmans, etc. L'entourné à nous, à moi, voilà, au lieu de me lâcher, parce que Dieu ne va pas laisser ces gens-là faire tout ça sans être frappé, sans être maudit, sans être supplicié. L'entourné à nous, à moi, voilà, au lieu de me lâcher. Vous voulez que ça vous marche, ce sont les hommes de la gêne, on fait un tour et pour les gagner. Et on me bat de moi. Vous voyez, si vous êtes pareil à eux, vous aurez le même destin. Et on me bat de moi, Jamia, tous, sans aucune exception. Mais arrivez-vous là-haut. Et ils vont jurer devant Dieu qu'ils n'ont voulu qu'ils n'ont comme bon entour. Qu'une bonne intention séparée de toutes leurs intentions excessives ou souterraines sont de mauvaises intentions. Et contre vous les manipulants, vous les suiveurs, les dominés, vous êtes les gardiens de la France. Yomayba'atumullahu jamia, wa ya'rifuna lahu kama ya'rifuna lakum, wa yahsabuna annahum ala shay'in ala innahum hum al-kadhibun, ala innahum. Et ils jurent qu'ils sont, ils ont au moins une partie de la vérité. C'est pas vrai. Vous êtes des salauds
vous avez défiguré et vous avez énormément lésé la Torah et la bonne nouvelle, l'évangile. Et vous avez essayé à maintes reprises et sans les connaître au juste, à transfigurer l'islam par le biais de la lésion du Coran. Or, le Coran, il est là. On est en défi contre vous. Jamais on ne peut léser même au niveau d'une seule lettre ou d'une haraka, c'est-à-dire ce qu'il y a sur les lettres et au-dessus des lettres. Masba, comme ça. Dhamma, comme ça. Zéro, comme ça. Sukun, ou Kasra, au-dessous des lettres. Tout ça, tous ces signes-là du vocabulaire arabe ne peuvent pas être perturbés. Vous avez épuisé le Coran, qui est notre nourriture spirituelle, il est non candidat à être lésé. Parce que vous avez fait ces crimes-là à propos de la Torah et de l'Évangile, où vous êtes avec le Coran des démunis et des gens impuissants. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes bien caractérisé par la puissance à tous les niveaux, sur toutes les dimensions. لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء على أنهم هم ملكمون donc vous avez maintenant la chance de prendre une autre position et une autre attitude vis-à-vis de ces montres-là. C'est le criminel de première catégorie. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان على ان حسب الشيطان هم الخاسرين. دي سالولا سون سومي اي مي سو لا فيرو دو برانس دو مال دو سالو ساتان. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله لوسكيل ا في سيت اليجاسيون لا ils ont oublié qu'ils ont un dieu. Ils sont érigés comme des dieux d'après leur délire. Vous savez bien ce que veut dire un type qui souffre d'une paralysie générale à la suite d'une syphilis, ou qui est en proie à une bouffée délirante. Vous savez bien ce qu'ils disent. Ils disent des irréalités, des inepties. Vos leaders sont de cet acabit-là. Pensez-y. Avant qu'il soit trop tard. Stahwada alim shaitan dans le sang de Allah, ou les kazou shaitan, ce sont les salons partisans du parti de Satan, de Moudi. Elle a un shaitan, mon chassé, et tu dis rien précisément pour ce parti-là. Il réélit tout. Les perdants, les gros, les dominants, les petits, les dominants. Et Allah, et l'Adina, Abdul Allah, wa Rasoul, ceux qui sont dans la haine de Dieu, dans l'inimitié avec Dieu, dans l'animosité contre Dieu, ces salauds-là auront leur place différente de ce qu'ils ont comme place maintenant. إن الذين يحادون الله ورسوله sont contre محمد كما في دعنا صلى الله عليه وسلم vous avez vu entendu tout ce qui se passe contre محمد comme complot محمد كما في دعنا صلى الله عليه وسلم il est toujours secouru par Dieu soutenu par Dieu et soutenu par les vrais musulmans vous l'avez qu'à l'adhalim donc ces gens là sont parmi les plus musulmans كتب الله لأغلبنا أنا ورسول الله قوي عز Dieu a écrit, il a décidé, il a déterminé que Dieu sera vainqueur
et les prophètes, que la paix d'Allah soit sur eux, et les souverains des prophètes, c'est-à-dire le Père Coran. Mais Allah, quand il agit, Dieu, il est tout puissant, et personne ne peut le rendre en soumission, le rendre en faiblesse. Le dernier verset, les tajid du Qawman, يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجد من تحتها النهار تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله لأن حزب الله مرفعون وأنا أتودي سوفر سيلا depuis X temps et d'une façon récurrente, mais je vous rappelle quelques points. La tête du Qawm, Yu'minu Billah, c'est-à-dire, oh, vous, mon bien-aimé, Muhammad, que ma vie soit sur toi. Je ne trouverai jamais des gens vrais croyants qui auront ces mauvais comportements. Qu'est-ce que c'est ce mauvais comportement? Parce qu'ils ne croient ni en Dieu unique, Allah, ni au jour de la résurrection, rassemblement et jugement. Ils ne sont jamais en état d'amitié avec les gens qui sont en état d'inimitié et d'animosité envers Allah et envers Rasul Kiram alayhi salam. Wa Rasul ici, Muhammad que la paix d'Allah soit sur. Parce qu'au moment de l'avènement de l'islam, il y a une forte montée des malheureux juifs avec l'aide des Qurashis, des salauds arabes, à part une réalité, qui s'est converti en islam, comme Khalid ibn Walid, comme Hamza ibn Abdul Muttalib, que l'agrément divin soit de l'eau. Donc, ils sont caractérisés, c'est vrai quoi, comme nous, alhamdoulilah, qu'on n'est pas en état de paix définitive avec vous. Parce que vous êtes toujours sous le pied de guerre, qu'elle soit manifeste ou occulte. Même nos pères et nos mères, s'ils ont choisi votre voie, nous sommes, nous, en désaveu. Nous ne suivons pas n'importe qui. Nous suivons les ordres divins en tant que soumis à lui et nous suivons la tradition de Mohammed que la paix doit suivre. D'Allah soit sur lui, et nous suivons tous nos prédécesseurs qui ont su garder l'islam intact. Et nous ne sommes pas les suiveurs de nos progénitures, ou nos frères qui soient des vrais ou faux, ou nos tribus, ou nos tribus, ou les chrétiens de Koulou ben Iman, les vrais musulmans. Dieu a bien imprimé le vrai islam dans leur fond intérieur. Et Dieu les a soutenus par un souffle divin qui frappe fortement et sévèrement les ennemis d'Allah. Et puis, ils nous raffermit ce souffle-là et nous galvanise comme il le faut, pour vous frapper comme il le faut, pour vous détruire comme il le faut, et pour vous mettre en fuite. أولئك كتب لكم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم من جنات تجري تحتها الأنهار نطلع الإنسان صلاة دون الباراديس خالدين فيها pour l'éternité رضي الله عنه Dieu les agrée il est en état de comment dirais-je il est content de nous رضي الله عنه ورضوا عنه parce que nous sommes aussi conséquence content de lui parce qu'il nous a bien guidés, nous a bien favorisés, etc. Vous voyez que Hezbollah, ceux-là, c'est-à-dire qu'ils sont précédemment décrits, Hezbollah, nous sommes les partis d'Allah, nous ne sommes pas des fous d'Allah, nous sommes les partis d'Allah. Alors, il y a Hezbollah, et Dieu dit, il insiste que ce parti-là sera le seul vainqueur triomphateur au salam, à la minute taba'al-houda.